Hey, salut tout le monde, c'est Pop, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 pour un tout nouveau gameplay. Aujourd'hui, gars, je viens avec du lourd car notre ami Razor nous a réalisé une magnifique nucléaire en solo sur la map Infection avec la toute nouvelle arme qui est sortie très récemment sur ce Call of Duty Black Ops 3. Je veux bien évidemment parler de la MX Garand, la réplique de la M1 Garand de World at War. Donc voilà, la petite difficulté avec cette arme, ou je devrais dire plutôt la grosse difficulté de cette arme, c'est qu'elle a déjà que 8 balles dans le chargeur et il faut vider les 8 balles complètement avant de pouvoir recharger. Donc voilà, on m'a précisé aussi de vous dire que il n'était pas sur son compte, il était sur le compte d'un abonné, car voilà, sur son propre compte il n'a pas débloqué tout simplement la MX Garand. Donc voilà, si vous voyez que en bas à gauche, donc dans la barre des feeds, ce n'est pas le nom de Razor mais le nom de son abonné qui apparaît, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc bien évidemment, on va envoyer cette vidéo à Code QG, et en plus, vu que c'est moi qui commente, et vu que je sais que les abonnés de Code QG adorent les top 10, et ben je vous ai fait un top 10 des Call of Duty les plus vendus de l'histoire, voilà. Donc vous allez quand même voir que pas mal de Call of Duty, on penserait pas que le premier Call of Duty c'est celui-là. Donc je vais pas parler de Black Ops 3 dans ce top 10, car tout simplement c'est un jeu qui est sorti récemment, donc il a quand même fait, je vais quand même vous dire le chiffre, il a quand même fait 13,1 milliards de dollars, donc de jeux vendus, donc ce qui est vraiment pas mal. Je sais pas réellement combien ça fait de jeux en tout, mais ça fait vraiment beaucoup. Mais sachant qu'il est sorti très récemment, j'ai pas voulu le mettre dans le top 10. Et puis voilà voilà, donc on va commencer directement à la 10ème place avec Call of Duty 2. Donc paru en 2005, il y a fait 6 millions de jeux vendus. Voilà, c'est quand même pas mal pour un opus, voilà, pour un FPS. Il est devenu vraiment tout de suite... un très bon jeu pour les amateurs de FPS en ligne. Et puis voilà voilà, donc à la 9ème place on se retrouve avec Call of Duty 3 En Marche Vers Paris. J'ai pu tester la démo de ce Call of Duty 3 et c'est vrai que c'était un très très bon jeu. C'est la Seconde Guerre mondiale et moi je suis féru de tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, tout ce qui est voilà ancienne guerre, etc. Moi j'adore ce genre de gameplay comparé à ce Black Ops 3, mais qui est quand même un très bon jeu, je tiens à le préciser. Voilà, Call of Duty 3 qui nous a fait 7,3 millions de jeux vendus, c'est quand même pas mal. À la 8ème place, vous allez voir que le chiffre a totalement doublé pour Call of Duty World at War, Call of Duty 5, le jeu où le zombie est paru pour la première fois. Le nombre de disques vendus a plus que doublé, 16,5 millions de jeux vendus. Un truc de fou quand même, je pense que le zombie a beaucoup joué au nombre de ses vues, jeux vendus. Call of Duty 4, Modern Warfare à la 7ème place, voilà, le Call of Duty phare qui est vraiment un très très bon Call of Duty, encore maintenant j'y joue, voilà, très très bon jeu, qualité peut-être un peu moyenne, certaines personnes vont dire, mais après voilà, sachant que le jeu est sorti donc en 2007 si je me trompe pas, 17 millions d'exemplaires vendus pour ce jeu, quand même pas mal, hein. À la 6ème place, on se retrouve avec Call of Duty Advanced Warfare, 19,43 millions de personnes. Donc le jeu où on a vu l'apparition des exosquelettes, un jeu qui était quand même pas mal attendu, mais qui finalement n'a pas réellement plu à beaucoup de personnes. Mais quand même, voilà, 19,43 millions de personnes l'ont acheté, c'est pas rien quand même. À la 5ème place, le jeu que voilà tout le monde adore, je parle bien évidemment de Call of Duty Ghost, et qui est quand même à la 5ème place, on rigole. Mais il a quand même fait 20 millions d'exemplaires vendus, mais je pense que dans la plupart de ces 20 millions, beaucoup de ces 20 millions, on finit à la poubelle tout simplement parce que c'est un jeu qui a été détesté par la communauté. Alors que moi franchement, j'ai adoré ce Call of Duty, donc voilà, m'en voulez pas. À la 4ème place, Call of Duty Black Ops 2, voilà le jeu vraiment bien apprécié hein, par la communauté, 24,7 millions. De jeux vendus, voilà quand même un très très bon jeu, pas trop futuriste, pas trop dans le passé, voilà, juste un Call of Duty qu'il faut, il fallait s'arrêter à ce Call of Duty je pense, voilà, 24,7 millions d'unités vendues, c'est pas mal. À la 3ème place, on rentre sur le podium avec Call of Duty Modern Warfare 2, voilà, le Call of des dieux comme on le surnomme, 27 millions de jeux vendus, très très bon Call of Duty, l'un des meilleurs en tout cas, je pense. À la 2ème place, Call of Duty Black Ops. Et oui, vous quand même, on se dit, on pensait pas que Black Ops a fait autant de ventes, 29 millions de jeux vendus. Et quand même, Call of Duty Black Ops, pour son multijoueur qui n'a pas réellement été apprécié, mais son mode zombie qui est vraiment un mode béton, voilà, de ce Call of Duty Black Ops. Et à la première place, vous allez être quand même surpris, c'est un jeu qui a été quand même pas mal détesté, pas mal critiqué, Call of Duty Modern Warfare 3, voilà, pour moi, le meilleur Call of Duty, en tout cas, je pense. Après, voilà, chacun son avis, il a été pas trop apprécié par la communauté, mais quand même, 30,33 millions de jeux vendus, voilà, c'est quand même pas rien du tout, j'y joue encore, pour moi, c'est vraiment le meilleur Call of Duty, mais après, voilà, comme je vous l'ai dit, chacun son avis. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à féliciter Razor pour son gameplay.
Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce qui est pour vous le meilleur Call of Duty. Donc pour ma part, moi comme je vous ai dit, c'est Call of Duty Modern Warfare 3. Alors vous pouvez me dire, voilà, Call of Duty 2, Call of Duty Advanced Warfare, j'aimerais bien savoir un petit peu ça. Allez, sur ce les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Bobs. Allez, ciao tout le monde.